Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on relève le défi de Thomas. On fait une édition spéciale enfant. 2 minutes pour découvrir un courant artistique. Alors n'hésite pas à mettre sur pause pour mieux regarder les images et pouvoir mieux répondre au défi. Voilà, à toi de jouer. Nous allons partir à la découverte d'un courant artistique qui s'appelle le surréalisme. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un courant artistique ? C'est assez simple, ce sont des artistes qui se mettent ensemble car ils partagent une idée commune. Et les artistes surréalistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent explorer notre inconscient, nos pensées cachées, mais aussi notre imaginaire à travers des images poétiques et des ambiances un peu étranges. Partons à la découverte du premier peintre, René Magritte, un artiste belge. Et je vais te demander de bien regarder cette peinture et de me dire ce qui te semble étrange dans l'image. Dans cette peinture qui s'appelle l'Empire des Lumières, on retrouve dans la partie basse une ambiance plutôt nocturne avec un lampadaire qui éclaire la nuit, des arbres assez sombres et dans la partie haute, un ciel hyper bleu, c'est presque un ciel d'été. Et c'est ça, Magritte, ce qu'il veut, c'est vraiment peindre de manière très réaliste des choses qui ne se seraient jamais rencontrées à part dans sa peinture. Cette rencontre un peu improbable crée pour lui un certain mystère. Passons tout de suite au deuxième artiste, Miro. Alors, regarde bien sa peinture et dis-moi ce qu'il a voulu représenter. Dans cette peinture, Miro veut représenter une danseuse espagnole. On la reconnaît grâce au peigne qu'elle a dans ses cheveux, son éventail, ses longs cheveux ondulés, et elle dit « olé » un peu comme les danseuses espagnoles. Miro, son objectif, c'est vraiment développer notre imagination avec un minimum de moyens. Par exemple, juste un point, une ligne, comme dans cette toile. Passons au troisième artiste, Salvatore Dali. Alors, le défi est un peu plus compliqué. Je vais te demander de me dire combien y a-t-il de pattes d'animaux dans la peinture et de retrouver le crâne. Cette peinture qui s'appelle la Tentation de Saint Antoine, Dali représente Saint Antoine nu, apeuré, à ses pieds un crâne qui représente la mort. Il est face à 5 énormes éléphants et un énorme cheval, ce qui fait normalement 24 pattes, mais il n'en a que 22 représentées. J'espère que tu n'es pas tombé dans le piège. Dali, ce qu'il veut, c'est vraiment explorer nos rêves, mais aussi les rêves qui font peur, nos cauchemars. Voilà. J'espère que ces quelques minutes t'ont permis d'apprendre un petit peu sur le courant surréaliste. Mais avant de nous quitter, j'ai un quatrième défi. Parce que c'est très important de savoir observer, mais dans le monde artistique, c'est aussi hyper important de savoir imaginer. Alors regarde bien cette image, une peinture de René Magritte, et imagine une histoire autour de ce tableau. Qu'est-ce qui pourrait par exemple se passer dans ce château? Alors, n'hésite pas à m'envoyer des textes, des photos, des vidéos, enfin tout ce qui me raconte une histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et à bientôt!